Qu'est-il vraiment arrivé à Linwood Boomer, star de la petite maison dans la prairie? Linwood Boomer, né le 9 octobre 1955, est un producteur de télévision, écrivain et ancien acteur canado-américain. Il est connu pour avoir joué le rôle d'Adam Kendall dans La petite maison dans la prairie et pour avoir créé la sitcom Malcolm in the Middle sur la chaîne Fox. Boomer est né dans une famille de classe moyenne inférieure à Vancouver, en Colombie-Britannique au Canada. Il est le troisième de quatre fils. Il a été inscrit à un programme pour surdoués à l'école. Sa mère s'appelle Aileen. Il est l'enfant du milieu dans sa maison. Boomer a réalisé une série basée sur sa vie intitulée Malcolm in the Middle, diffusée sur Fox de janvier 2000 à mai 2006. Il a commencé sa carrière en tant qu'acteur. Après avoir joué Adam Kendall dans La petite maison dans la prairie, il a ensuite commencé à concentrer ses talents sur les coulisses de la télévision. Ses crédits d'écriture et de production exécutive incluent Night Court, Flying Blind, The Boys Are Back, Townies, Third Rock from the Sun et Got the Devil in Bob. Il a également créé et produit les pilotes pour la série Family Business, Nice Try et pour la version américaine de The Red Dwarf et a été producteur exécutif sous James L. Brooks pour le pilote de Big. Il possède également sa propre société de production, Satin City. Boomer a négocié avec CBS la commande d'un pilote pour un projet qu'il a réuni avec Gail Bergman, le producteur qui a dirigé Malcolm pendant son mandat chez Regency TV et en tant que chef de la programmation chez Fox. Boomer a écrit le script de la série Les Karensky, une comédie qui tournait autour du retour d'une fille dans le giron de sa grande famille excentrique, après que son mari ait trouvé un emploi dans sa ville natale. Il a été réalisé par Pamela Freeman et mettait en vedette Annie Potts, Dee Lydic, Jack Thompson, Mater Zickel, Sasha Alexander, Tinsley Grimes et Todd Satzwick. Bien que Boomer ait créé, produit et joué dans de nombreuses séries télévisées, il est surtout connu pour avoir créé la sitcom Malcolm in the Middle sur l'histoire de sa vie. Le premier épisode de série a été regardé par 22,5 millions de téléspectateurs et le second par 26 millions de téléspectateurs. La série a duré 7 saisons de 2000 à 2006 et compte au total 151 épisodes. Boomer a écrit 2 épisodes en commençant par le pilote, puis Francis Escapes et a réalisé 5 épisodes. Opéra, Stills, Reese contre Stevie, Bride of Ida, et la finale de la série Graduation. Boomer a reçu un Primetime Emmy Award pour l'écriture du scénario du pilote. Et vous, qu'avez-vous pensé de sa vie? Faites-nous savoir dans les commentaires et nous pouvons en discuter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à la liker.